Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Nom de Zeus, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour l'épisode 14 de Life is Strange. Et on est remonté dans le temps, mais de... Si à 18 et 13 ans, ça fait 5 années. Non, si, 5 années qu'on est remonté dans le temps, c'est incroyable. Ah oui, d'ailleurs, vous me voyez pas. Bonjour, je suis là. Voilà, Joséphine a fait apparaître des doigts comme ça. Regardez, je disparais, hop, je réapparais, hop, je redisparais, hop, et je réapparais pas parce que je... Voilà, j'ai pas envie. Non, je rigole, je réapparais maintenant, bah. Cette intro est beaucoup trop longue et le téléphone sonne. Bonjour, le téléphone. C'est incroyable. Parce que ce qui se passe est vraiment incroyable. J'y m'attendais tellement pas. Hello. Qu'est-ce qui se passe? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Ah, mais c'est putain. Je me suis dit. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Il parle au calme. I have to stop William from taking his car today. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that. Non, alors je crois pas, tu vas jamais me croire, mais je trouve les clés avant lui, c'est ça. Non mais David, tu vas jamais croire, mais David, William, faut pas que tu prennes la route parce que tu sais, c'est dangereux, les voilà, les nuages, les voilà, c'est... You can't hide from me. Oui, allez, tu rentres chez toi, tu restes à la maison. Waouh, on va empêcher vraiment la mort, mais on va modifier le passé, mais quoi? Il se passe quoi, punaise? That's true. Score. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. Mais ça va modifier le passé, mais non, faut pas faire ça. Le jeu veut que je le fasse, mais faut pas le faire. Ah non, c'est début d'épisode, il te met en PLS, putain. Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction, so you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and stuff, so... So... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Wow, mais c'est... Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Ça a des compétences. C'est n'importe quoi. Wow, 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 William, tu me pousses pas comme ça. Il est fou, lui, ou quoi, là? Hello. T'es complètement malade, celui-là. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Je peux pas faire. Excuse. Attends. I know I had those keys right here. I know it. Oh, j'ai bien fait. Est-ce qu'il a un truc pour retrouver les clés? You, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this.
Attends, il va. Max, you are being so fucking. Il va prendre le bus. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va se passer? Non, je suis pas prêt à voir ça. Il est mort quand même. Et Chloé m'en veut parce que c'est moi qui l'ai forcé à prendre le bus. Je suis sûr que ça va être ça. Je suis sûr que ça va être ça. Max. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Oh, me dites pas que c'est la fin de l'épisode. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren. He hooked up with Stella? Oh no! This is totally fucked up! What else have I changed? Chloe. David! Oh là là, mais non, mais je suis en train de m'arracher des cheveux, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je savais que ça allait foutre le bordel, évidemment. Tout est connu dans les jeux ou dans les films où tu changes le passé, le présent devient n'importe quoi derrière. Mais c'est connu, pourquoi j'ai fait ça? Putain, le jeu m'a obligé à le faire. Peut-être qu'on a sauvé Academia Bale, je crois que ça s'appelait comme ça le patelin. Oh la musique, je vais encore être démonétisé. Oh, je vais être obligé de couper la musique, je suis désolé hein, mais oh, je vais plutôt mettre le voyage en x3 peut-être, ouais, il y a moyen. Mais punaise, c'est n'importe quoi. Oh non, on m'avait prévenu que j'allais me mettre en PLS au bout d'un moment, je pense que je m'apprête à le faire dans pas longtemps. Ah, c'est peut-être la fin de l'épisode 4. L'épisode 3, pardon. Des chances. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et les parents de Max qui se sont devenus aussi, ça j'aimerais bien savoir. Je suis démonétisé, je suis démonétisé, je suis démonétisé, démonétisé. Putain. Ah non, c'est chez Chloé là. Oh là là, j'ai si peur. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor.
Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Il s'est passé quoi? Mais putain! Fin de l'épisode? Oh là là! Putain! Oh mais non, mais j'ai ce don pour les mauvais timings d'épisodes, c'est n'importe quoi! Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh putain! Mais pourquoi à chaque fin d'épisode je finis en PLS au bord des larmes? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder les stats, ça fera un petit épisode, écoutez, transition, écoute, 10 minutes, 15 minutes. Waouh, putain, je suis impatient de voir l'épisode. Oh, il y a encore deux épisodes à faire, épisode 3 et 4, 4 et 5, pardon. Putain, je suis tellement pas prêt. Ouais, je comprends maintenant ceux qui me disent dans les commentaires, ouais, t'es pas prêt pour la suite, je pense que oui. Et j'ai fini par chialer toutes les larmes de mon corps à la fin du jeu, c'est sûr et certain. Allez, on va passer ça, on va regarder les stats. Ok, pour avoir volé l'argent, c'était 50, presque 50-50, je suis assez surpris. Ouais, évidemment, 80% des personnes ont brossé Chloé, ça m'étonne pas. On a pris le parti pour Chloé, ça m'étonne pas non plus. 6% quand même, on jetait l'os sur la route, c'est vraiment des crevards. Franck a le pistolet de David. Ouais. Ouais, oui. Suivant. Lisa est en vie. Lisa est morte. Quoi? Lisa, c'est la plante? Mais pourquoi on l'a arrosée? J'y crois pas, là. C'est quoi ce bordel? Oh non, je suis dégoûté. Tant pis. Vous n'avez pas aidé Warren pour son examen? Oui, bon, désolé. Vous êtes sur la liste du Vortex Club, ça c'est cool. Vous n'avez pas changé la liste des invités du Vortex Club. Vous n'avez pas effacé le message des flics. Ah, il y a un truc à faire dans le passé. Vous avez aidé Alissa, oui. Vous avez prévenu la SDF. Vous avez pris une photo dans le passé. Vous n'avez pas laissé le dessin. Dessin sur la cheminée. Mince. Bon, écoutez, quittez. Dark Room. Et sur là-dessus qu'on se quitte. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si vous avez remarqué sur l'intrigue du épisode 4, on a re les vêtements qu'on avait au début. Donc je pense qu'on est, on a refait un retour dans le passé. Entre temps. Mais waouh, ce jeu est incroyable. Donc je te souhaite et je te demande de t'abonner à ma chaîne si toujours pas fait pour suivre les épisodes en cours. Je travaille sur d'autres projets de vidéos. Je sais pas si tu as vu mes dernières vidéos. J'ai sorti un court métrage que j'ai tourné avec deux copains. Donc, si tu n'es pas allé le voir, bon, du coup, je le mettrai en description. Et en miniature, hop, vous pouvez cliquer en haut à droite, en bas à gauche pour le voir. Et waouh, c'est incroyable. Incroyable ce jeu, j'en réjouis de joie. C'est incroyable, j'adore ce jeu, j'adore énormément ce jeu. Bon, j'espère que t'as passé un bon moment, j'espère que tu suis toujours mes aventures. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour dire que t'es là ou un j'aime pour dire que tu apprécies ce que je fais. Et je te dis dimanche prochain et je te dis allez, salut.